Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter donc la mise en œuvre des petits modules Bluetooth donc, ici même. Donc j'ai relié tout simplement une carte de développement avec un P-Kit. Donc alimentée en 3,3. J'ai fait un programme donc tout bête qui récupère qui fait une récupération d'un caractère via la liaison série donc qui va être émulée par le Bluetooth. Et donc si je reçois un A, j'allume la première LED, un B la deuxième, un C la troisième et un D la quatrième. Donc c'est un truc tout bête, juste histoire de tester le fonctionnement. Donc la liaison est paramétrée à 9600 bauds. Ensuite donc il faut un dongle Bluetooth comme celui-ci. Donc que l'on va brancher. Hop. Alors il est détecté par Windows. En bas on a le petit logo Bluetooth. Le périphérique est directement reconnu. Et on va dans le port com et on a un port com d'émulé virtuel. Donc c'est le numéro 10. Ensuite à partir de là il suffit d'ouvrir un terminal, de sélectionner le port com, donc le 10, et d'ouvrir la connexion. Donc là il y a un petit délai et hop, le bouton rouge s'allume. Donc c'est que la connexion est établie. Donc à ce niveau là toujours rien de particulier, tout va bien. Maintenant on teste, on va envoyer le caractère A et si on envoie, hop, la première lettre s'allume. On envoie maintenant le caractère B et la deuxième lettre s'allume, le C, la troisième lettre s'allume, le D, la quatrième et enfin donc j'ai fait un case défaut pour éteindre tout. Donc voilà, à partir de là donc ça laisse envisager plein de possibilités de transfert de données par le Bluetooth, donc il y a moyen de faire des petites choses sympathiques.